Le président de la République était au courant, mais il aurait refusé de faire face à la réalité. Après le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun par la Confédération africaine de football, après les déclarations du président Amad rassurant le Cameroun quant à l'organisation de l'édition 2021, l'homme qui est venu cracher toute la vérité, c'est ce monsieur, Constant Omari, membre du comité exécutif de la FIFA, vice-président de la Confédération africaine de football. Le Congolais n'y est pas allé par quatre chemins. C'est à Charles Michel que nous avons décidé d'obtenir une audience auprès du chef de l'État camerounais. Pour quelle raison? Quand nous avons observé qu'il y avait une duplicité de langage en dehors du chef de l'État, certaines autres autorités politiques disaient autre chose, les équipes qui étaient sur le terrain nous ramenaient des éléments qui n'étaient pas en phase par rapport à l'état d'avancement des travaux, par rapport aux espoirs qu'on donne au peuple camerounais, nous avons décidé, à Cher Michel déjà, on pouvait prendre la décision. On s'est dit non, il faut aller rencontrer le chef de l'État. Peut-être qu'il n'a pas la réalité de ce qu'on lui fait comprendre réel. Nous sommes allés, le président lui a présenté le tableau exact de la situation. Le président de la Fédération congolaise de football va même aller plus loin. Paul Biya serait entouré par des menteurs professionnels. Personne autour de lui ne lui dit la vérité. Sur le taux de réalisation, par exemple, pendant qu'on annonce 90% aux Camerounais, la CAF l'estime à 50%. Dans la réalisation de ces projets, il y a eu beaucoup de non-dits. D'un côté, ceux qui sont sur le terrain rassurent votre chef de l'État que tout sera prêt. Le chef de l'État, en bon droit, rassure la CAF que tout sera prêt au regard des moyens colossaux qui ont été déboursés. Mais la réalité du terrain, malheureusement, n'a pas suivi. La sortie de Constant Omari est très embarrassante pour ceux qui, de près ou de loin, ont touché au dossier CAN. Au Cameroun, on pense que les têtes vont tomber, et pas de moindre. Sauf si, cette fois aussi, on demande à avoir des preuves.